Salut YouTube, bienvenue dans un nouvel épisode de Resident Evil HD Remastered. J'en étais où? Je m'en rappelle plus. Ouais, fallait que je jette ça là-dedans. Bonsoir Mémel, comment vas-tu? Non, là. Voilà. Ça, c'est la clé de l'armure. Je prends la vieille clef. Bonsoir Monsieur Momo 164. Ça va et toi? Le mec il arrive direct. Dead soon. Alors c'est pas de ta faire. Hey, faux, c'est vrai qu'il y a lui. Ah non, il court espèce de. Moi ça va Mémel, moi ça va. Merci Momo au fait de m'avoir jinxé, hein. On me donne un casque, en plus je suis même pas allé au bon endroit, super. Ah super, vas-y, t'es quoi. Vas-y, voilà. Je peux même pas les mixer ensemble, et ça c'est génial. Formidable. Du coup, ou je meurs, ou je recharge la partie. Ou je meurs et je recharge la partie. Meurs, c'est ça. Recharge! Merci de quoi? Ben, t'es arrivé! T'as dit Dead soon alors qu'il se passait rien. 5 secondes après, c'est l'apocalypse. Tu m'as jinxé. Oh. Salut. Qu'est-ce que... Pourquoi c'est cassé? Il y a une grande éraflure dans le mur. Ça ne semble pas être l'œuvre de ces créatures putréfiées. Ah. Vous pouvez peut-être l'ouvrir à l'aide d'une vieille clé. J'en ai une. Oui, allez. Ouais. Ah ouais. Génial. Pour de fausses aventures. C'était le coucou. Ah, c'était juste un coucou. Bah écoute, bonne nuit à toi et on se revoit ce week-end du coup. Une mallette ouverte, elle est pleine de rapports biologiques. Le récipient est rempli d'insectes morts. Hameçon. Divers types d'hameçons. Testament du changer. C'est une lettre. Le 3 juin 1998, ma chère Alma. Je te fais toutes mes excuses de n'avoir pu t'appeler. L'homme aux lunettes noires m'interdisait de téléphoner. Désolé, Alma. Je ne sais par où commencer ni comment expliquer en quelques mots ce qui s'est passé depuis la dernière fois que nous nous sommes parlé, et je dois dire que je ne prends pas un bon départ. J'espère que tu vas bien et que tu me pardonneras de m'égarer par moments. Cette lettre n'est pas facile pour moi. Alors que je t'écris, je sens les concepts les plus simples m'échapper et laisser la place à un sentiment de désespoir et de confusion. Je dois cependant te dire ce que j'ai sur le cœur avant de mourir. Alma, je t'implore de me croire. Il me faudrait des heures pour te raconter la totalité des événements et le temps m'est compté. Je te demande donc d'accepter les faits. Le mois dernier, il y a eu un accident au laboratoire et le virus que nous étudions s'est propagé. Tous mes collègues ont été contaminés. Ils sont soit morts, soit mourants. La maladie est telle que ceux qui en sont encore en vie ont complètement perdu l'esprit. Ce virus dépossède ses victimes de toute humanité et les force à chercher avidement la vie et à la détruire. Alors que je t'écris, je les entends à ma porte, comme des animaux affamés et dépourvus de tout esprit. Alma, je n'ai tenté de survivre que dans l'espoir de te revoir. Désolé, j'ai ma mère qui a failli me choper. Hein? Malheureusement, mes efforts ne peuvent que retarder l'inéluctable. Je suis contaminé et je n'ai aucune chance d'échapper à mon sort. Je n'ai d'autre choix que de m'ôter la vie avant de perdre ce qui me sépare de ces monstres. Je t'envoie tout mon amour. Dans une heure, j'aurai refermé mes yeux à jamais et je connaîtrai enfin la paix. J'espère que tu comprendras mon geste. Je suis désolé. Martin Crackhorn.
Mais il est où? S'il dit qu'il s'est tué, il est où? D'après l'odeur, cet aquarium a dû abriter des êtres vivants. Peut-être s'en servait-on pour élever des sortes de créatures. Alors. Hameçon. Je suis censé dormir en fait. Ah, le petit salopio qui désobéit. Pour regarder le Valerius TV. Quoi? L'heure d'abeille? Quoi? Les spécimens d'insectes. Il y a un bouton en dessous. Oui. Rien ne se produit. Cela a-t-il un rapport avec les spécimens d'insectes? Je peux combiner ça avec ça. Oui. Oui, 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 on sait, l'aquarium, tout ça, là. Alors, là, c'est quoi? Spécimen d'abeille. Différents leurres de pêche. Faut que je repasse le... Il faut que je les inverse. Sans aide, cet homme résout les énigmes avec une maîtrise de lui-même incroyable. Qu'est-ce que ça? Non mais... Oh 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 oh! Tiens. Le machin, il faut deux balles pour clapser, la fuck! Symbole du vent. Ouais. Symbole du vent. C'est une icône représentant le vent. Ah! J'aurais plutôt dit un... Pas du vent. Pas du... Bon. A priori, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire ici. Une blouse blanche d'un laboratoire est suspendue. Il flotte comme une odeur de pharmacie. D'accord. Easy, 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 easy. Il n'y a rien dans les tiroirs ni sur les étagères. Putain, mais pourquoi j'ai pris Chris Redfield? Pourquoi j'ai pas pris Gilles Valentine? Qui a un inventaire deux fois plus grand. Enfin, plus grand de deux cases, pas deux fois plus grand. Hein, on s'entend bien. Ses empreintes de pas semblent traverser le lit. Ah. Ce qui voudrait dire que quelqu'un a marché sur le lit. Ok, ok, ok. Bon. Je vais tenter de revenir au coffre. J'ai un symbole du vent. Je ne sais pas où vont les symboles du vent. Symboles du vent, ouais, dans les manoirs et tout ça, là. Pourquoi les cadavres sont plus là-bas? Les cadavres, ils dépop? Tu sais quoi, j'ai même pas remarqué que c'était une énigme. J'ai laissé des munitions dans la pièce à droite. Je vais essayer de trouver une issue. Pesquer. Faut pas l'écouter. Comment ça, tu as... Quoi? Attends. Est-ce que ça veut dire que j'ai tellement roxé le truc que ça ressemblait pas à une énigme? Ou alors, est-ce que tu es en train de me dire que c'était tellement easy que t'as tout de suite calé que la solution? Comment est-ce que je suis censé prendre? Est-ce que je suis censé me le... On va dire que... On va dire que j'ai tellement roxé le truc que ça semblait pas être une énigme. On va dire ça.
Allez, je pense avoir une idée d'où va le symbole du vent. La poignée de porte est cassée. C'est vrai qu'il faut que je fasse tout le tour. Ben, je suis trop gentil de laisser des munitions. Donc toi aussi tu veux devenir un dieu. Toi aussi tu penses avoir le privilège de devenir un dieu. Ah. Je vais d'abord aller voir là-bas où je pense que va le machin avant d'aller là. Je vais bien le prendre, oui. Ça va alors. Oh là là. Ça fait j'ai eu le temps de boire, rien compris, j'ai réussi. Bah très franchement, je m'attendais pas à réussir du premier coup. You. Chris Redfield, Alpha Team. We're here to rescue you. Richard, what the hell happened to you? Chris, this place... Get your team out of here. Demons. Demons, 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 demons. Don't talk. Transformer for some reason. He seems to have been bitten by a poisonous snake. But the size of the bite mark is huge. It's not just any ordinary snake. Take my word for it. He needs serum. I left it in another room. I'll go get it. Mais non, mais... Hold on. I'll be back. I'll be back. Mais c'est qui, elle? Pourquoi elle est en jeans court? Mais non, mais... Oh. J'ai pas le temps de sauver des gens, moi. Il faut que j'ai... Mais quoi? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, je suis où, moi? Je suis au second floor, moi. Faut que j'aille à gauche, là. Oh. Alors, attends. Ouais, il fallait que j'aille en face. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est Ashley en jeune et random. Mais ouais, sauf que en vrai, je pense qu'Ashley, la vraie Ashley, elle est même pas née à l'époque où se passe RE1. Elle est encore au stade embryonnaire. Là. Marc Octogonal. Ouais, ouais, c'est bon, c'est là, c'est là, c'est là. J'ai trouvé, j'ai trouvé. Colonel, il manque octogonal, mais c'est forcément ça. Comme ça. Mais ok, bon bah FML, hein, FML. Demons, 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 and transformer for some card. Là. Il te le faut pour plus tard. Mais oui, mais... Faut toujours tout... Je te brûle, moi. Mais quoi ?
pourquoi la porte elle faisait Mais pourquoi je viens là? Il y a rien du tout à faire ici. C'est à cause du vent? Parce que j'ai le symbole du vent? Il se passe des choses dans ce manoir qui sont inexplicables. Ha ha! Tu reviendras pas, petit Léther. Mais il est encore vivant, 100% lui! Il vient de gémir. Ah non, c'est l'autre là-haut. Escaliers, ça fait très très mal. Tomber les escaliers, ça fait très très mal. Tomber les escaliers, ça fait très très mal. Tomber les escaliers. Un autre coffre, merci. Eh, est-ce que les items ils se transfèrent de coffre en coffre? Oh hell yeah! Parfait. Sérum. Je vais sauvegarder homme. Il y a au moins une machine à écrire, oui. Une vieille machine à écrire, oui, vous pouvez sauvegarder votre progression. Est-il un rebelle en craire? Oui. N'empêche, ils avaient pensé à tout à l'époque Capcom. Le coffre mystique. D'ailleurs, si on y réfléchit. Étant donné qu'en 1998 ou 99 ou whenever the fuck le jeu est sorti, il n'y avait pas de. Minecraft n'existait pas. Donc le Ender Chest n'existait pas. Le concept même du Ender Chest, je pense, vient de ce jeu. Donc, Capcom, ce sont des génies. Il n'y a que des produits intégrés à l'intérieur. L'odeur est assez désagréable. Ok, 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 ok. Ok! Oh! Ah! Ah! J'ai pas de clé ancienne. Allez, on va dire que je la prends. Qu'est-ce que c'est que ça? Une serpe? Manque plus qu'un marteau. Le retour de Paul, le caméraman de CTRE. Salut Chopper Magique. Oh hell no. Oh hell yeah. Marrant de voir que toutes les munitions de pistolet qu'on trouve et c'est exactement le bon calibre. Oh. Journal d'un gardien. 9 mai 1998. Ce soir, j'ai joué au poker avec Scott, Steve le chercheur et alias le garde. Steve a beaucoup gagné mais je pense qu'il a triché. Ordure. 10 mai 1998. Aujourd'hui, l'un des principaux chercheurs m'a demandé de m'occuper d'un autre monstre qui ressemble à une sorte de gorille dépecé. Il m'a dit qu'il fallait le nourrir d'animaux vivants. Oh non, pas cela. Lorsque je lui ai jeté un cochon, le monstre a commencé par jouer avec. Puis il lui a arraché les pattes et les viscères avant de commencer à le dévorer. 11 mai 1998. Ce texte est très long. Vers 5h du matin, Scott est venu me réveiller. Il m'a vraiment fichu la trouille. Il portait une combinaison de protection. Il m'a dit d'en enfiler une moi aussi. J'ai compris qu'un accident s'était produit dans le labo du sous-sol. Un labo au sous-sol encore? Je savais que ça arriverait un jour.
Ces imbéciles de chercheurs ne dorment jamais, même pendant les vacances. 12 mai 1998. Je porte cette saleté de combinaison depuis hier. J'ai la peau sale et ça me démange. Les chiens me regardent d'un drôle d'air. Pour leur apprendre, je ne les ai pas nourris aujourd'hui. Bien fait pour eux. 13 mai 1998. Je suis allé à l'infirmerie parce que mon dos était tout gonflé et me démangeait. Ils m'ont bandé le dos et le docteur m'a dit que je n'avais plus besoin de porter la combinaison. Je n'ai qu'une seule envie. Dormir. 4... Gratte. Délicieux. Donc cet individu a progressivement... Scott? Steve? Quoi? Dans la tête! Quoi? Qu'est-ce que... Mais arrête de... Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah c'est bon alors. Je savais pas qu'on pouvait faire ça avec les grenades. C'est du génie. Mais... Oh. J'ai jamais vu les beaux rayons. Et oui, je sais qu'ils s'appellent les hunters les autres là, mais... c'est chiant. Je les aime pas. Pouf. Alors c'était quelle porte? Déverrouiller la porte. C'était quelle porte Oh là là. Mais quoi? Vous avez déverrouillé la porte? Mais je viens de là. Où je viens de là? Ah non, ça c'est... Attends. The fuck? Comment j'ai pu déverrouiller la porte puisque je viens de cette porte? Serais-je perdu? Serais-je... Oh mais non, je viens de là! Comme vous l'avez remarqué, mon sens de l'orientation fait des merveilles. Hein. Et sachez que dans la vraie vie, c'est pareil. Hein. J'ai le même sens de l'orientation dans les jeux que j'ai dans la vraie vie. Donc, autant me dire que... voilà. Quand je suis livré à moi-même dans une ville inconnue... Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours cassés? Bordel de... J'ai aimé pour le sub. Chopper magique, tu n'es plus sub. Ah, le mec. Kérosène. Pourquoi est-ce que les vieux, les fusils sont toujours cassés, là? Oh, qu'est-ce que c'est que ça, là-bas? J'ai vu un truc dans le... Ah non, j'ai cru voir un truc. Il n'y a pas. Je vais aller mettre le fusil cassé dans le coffre. Non, moi j'ai un sens d'orientation pathétique in-game alors qu'IRL il est pas mal. Ah non, non, moi je le dis, il est pathétique même IRL le mien. Pour ça, quand je suis... En général, quand je voyage dans d'autres villes ou d'autres pays, je ne suis jamais seul. Parce que si je suis seul, je me paume. 100%. Si j'ai pas de GPS, évidemment. Hein. Alors, fort heureusement, il existe Google Maps qui est gratuit et accessible sur n'importe quel smartphone de type Android. Voilà. Mais sinon, c'est... je me paume. Tu
Tu vas là où est le vrai, tu remplaces le vrai par le cassé. C'est super que tu me dises ça, Explo. Si je savais où était le vrai. Enfin, je le sais peut-être, je suis peut-être déjà passé devant, mais disons que j'ai oublié. J'ai pas fini d'explorer. Calmez-vous, on va y aller. On va explorer le manoir de fond en comble, on va trouver toutes les pièces, on va trouver tous les secrets. Ah, c'était... Ah, salut. Il va casser la vitre, c'est ça? Ils vont casser les vitres? Qu'est-ce qu'il y a à exploser? Je suis passé devant, c'est ça? Je sais où il... Oh! Le couvercle de cette pompe à eau est ouvert. Pompez l'eau. Pompez l'eau! Placez l'interrupteur sur quelle couleur? Vert? Qu'est-ce que ça fait? Faut que je mette du poison? Faut que je mette du poison dans le... Ah, tu dois confondre poison et poisson. Je dois sûrement mettre du poison dans le truc. Je sais plus. Caméra. Alors, il y a quoi là déjà? Ah! Il y a une inscription. Un tigre rayonnant d'une lumière bleue et jaune. Ah. Mais pourquoi je peux pas ramasser la serpe qui est posée là aussi, là? Non, je suis déjà venu là. Ah, je crois que je suis perdu. Ah ah. Bon. Si je bout du couloir à gauche. Et tout de suite à gauche. Non, pas là. Mais non, mais ça, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis perdu. Allez, je vais sauver l'autre. Yeah.
pensé à virer Paul pour le prochain opus. Non, le prochain opus, c'est Brandon qui s'est occupé de la caméra. Et on verra déjà ce que ça donne. Wow! Alors ça roule. C'est par là. Il vaut que j'aille. Bon, je pense que le mec a eu le temps de décéder trois fois du poison, hein? Qu'il avait dans les veines. Au fait, YouTube, voici venue la fin de cet épisode. Si tu veux savoir la suite, regarde le prochain épisode. Salut !